them. Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo du jour. Et justement, j'ai pensé à vous, je me suis dit, bon, je suis en vacances, t'as du temps disponible et tout, donc pourquoi pas sortir une petite deuxième vidéo. Donc je vais essayer éventuellement dans les prochains jours de vous en poster deux. Aujourd'hui les gars, pardon, un petit rapide débrief sur mes capacités du Xelor. Alors, premier tour, on m'a dit, d'abord, bon, synchro, classique, et surtout, ne pas invoquer de cadran. Pourquoi ? Alors, boule bizarre qui me demande 90% guide, donc c'est ce que je vais faire, mais avant tout, D1, voilà, il faut taper, enfin, avant tout l'autre, enfin, l'ennemi, mais là, je préfère taper, je préfère pas lui infliger de dégâts. Donc, je vais le foutre 90% guide, il sera tout content, sachant que la bêta reboot demain, ce qui paraît. Voilà, du coup, les gars, T1, en fait, maintenant, je connais absolument tout pour, regardez, enfin, je sais, on va dire, tous les tours, je sais comment faire. Donc là, j'ai refait une frappe, mais c'est surtout pour faire la gélure. Donc voilà, T2, voilà, c'est du classique. Je vais ensuite faire... Attendez, je vais plutôt me mettre... Ouais, non, j'aurais peut-être dû... Ah, la fuite, au pire, on peut attendre au prochain. Bah non, ouais, au pire, la fuite. Non, j'ai pas besoin. Donc là, encore une fois, donc là, on vient de faire les trois sorts les plus faciles. Bah non, on oublie rollback. Et poussière temporelle. Et regardez, ça up toujours. Et là, regardez, en fait, il suffit de vous faire une fuite. Bon, moi, vu que je suis un gros gamin, j'adore faire 4 fuites, en fait, vu qu'on peut en faire 4 par tour. Et là, vous allez voir qu'au prochain tour, avec les fuites, ça va encore up. Voilà, c'est magnifique. Franchement, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rollback, je crois que je l'ai pas fait. Mais vu que fuite, c'était ce tour, on va rien faire du tout. Ah ouais, du coup, c'est en téléfrag pendant 2 tours. Ça, j'avais zappé. Ok. Le rollback, voilà. Donc, ça va encore up. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le cadran. Voilà, le cadran. Regardez. Le cadran. Ah non, mais arrête de taper, mec. Pas gentil, ça. Vous voyez, voilà. Encore un paradoxe. Mais qu'est-ce qu'il me manque? Et la TP, voilà. Donc, les gars, c'est... J'adore. Tout simplement, il n'y a rien à dire. La TP. Alors, par contre, je vais faire comment pour les... Pour TP tout ça, ouais, bah je pourrais éventuellement TP avec la synchro, mais ça m'arrangerait pas. Bah avec la kawad, bien sûr. Et voilà, regardez, 1400%. Ah, magnifique quand même. C'est quand même super beautiful. Je pourrais éventuellement... Je regarde comment péter la synchro, là. Mais je crois que je peux comme ça. Non, attendez, je vais faire ça. Ouais, voilà, après c'est super classique. Alors je crois que c'est en zone de 4, donc 1, 2, 3, 4, normalement je l'ai d'ici, on va voir. Non, voilà, donc c'est exactement ce que je me disais, c'est en zone de 3. Ouais, c'est en zone de 3, bon écoutez, bah on va refaire tout ça en speed. Enfin, en fait c'est en zone de 4 à partir de la synchro, quoi. Qu'est-ce que je pourrais faire? Voilà. Bon là c'est... Ensuite on va la jouer avec fuite, puis ensuite on va la jouer avec poussière temporelle. Ah non, je crois que je vais le péter là, non? Non, c'est bon. Ok, donc là ça m'a donné plein de PA, c'est super, et je crois que je l'ai augmenté aussi. Prochain tour, la TP. La gélure, je sais pas si on a déjà fait gélure, je crois qu'on n'a pas fait rollback par contre. Alors... Voilà, c'est quoi qui nous manque? Paradoxe. Paradoxe. Alors, paradoxe, je crois que. Ouais, on... Voilà, ça prend ma place. Ok, combien de pourcents? 1002, alors il y a un sort, les gars, c'est quoi? Ça doit être gélure ou un truc à la con. Ou fuite, non? Bah non, non, fuite, il me semble que je l'ai déjà fait. Bah écoutez, on va essayer un petit peu tout. Ok, c'est bien ce que je disais. Le rollback, le fuite. La poussière temporelle, je pense. Peut-être ça, non. Ah, voilà, les gars, c'était la poussière temporelle. Est-ce que j'ai un moyen de tuer le... De faire péter la synchro maintenant, surtout. En fait, fuite, c'est utile pour les kawats seulement quand vous voulez bouger de base, en fait.
Alors là, en fait, les gars, je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais pouvoir péter la synchro, mais d'une manière mieux que... Bah oui, enfin, je sais comment la péter avec frappe du Xélo, il suffit tout simplement de la ramener... face... enfin, qu'elle atterrisse contre un truc. Mais voilà, ouais, c'est ça par exemple, regardez, c'est super bidon. Vous faites ça et ensuite après vous faites une gélure et après ça le fait péter. Mais en l'occurrence, moi, ça m'arrangerait pas. Pourquoi? Bah parce qu'en fait... elle n'est pas ici. Alors par contre, je sais pas si gélure ça marche. Non, c'est en deux tours. Ouais, c'est en un tour plutôt. Je vais essayer de faire un truc, ouais. Allez les gars, je vais vous montrer ça juste en speed. Ah bah ouais, bon, c'est pas grave. Vous faites ça et ensuite boum. Alors franchement, ça les gars, c'est vraiment le truc le plus simple pour péter une synchro, c'est ça. Donc du 5000, c'est pas mal. Je vais essayer de faire un tour full rocks. Je vais essayer de faire un tour full rocks. Ouais, mais en tour. Voilà. Alors, je crois que je vais la faire. Non, même pas, ouais. Là, c'est un super fail, les gars, vous avez pu voir. Bon, parce que je maîtrise pas encore 100% de la classe, tout simplement. On est pas. Ouais, donc, du coup, je sais pas s'il est en téléfrag. Ouais, il est déjà en téléfrag, regardez, les gars. 1005. C'est quand même magnifique. Voilà. Bon. Je pense que je vais faire un petit défi pour clôturer tout ça. Pour voir ce que ça donne. Je voulais pas faire un colis. Parce que colis, je vous en ai déjà proposé un juste avant. Enfin, juste avant. Dans la vidéo d'avant, quoi. Alors. On va voir ce qu'il y a un peu de people là. Tiens, je vais le défier, le Kra. S'il accepte, bien sûr. Non, il refuse. Et bon, on va demander à Monsieur Speyer. Bon. Ouais, les gars, petit défi. Je vais vous montrer un petit défi des familles. Bah du coup là en l'occurrence le cadran, vu que c'est du PVP 1v1, on s'en fiche un petit peu. Hop, mettez 1, faut à tout prix faire ça, regardez-moi ça. Sur du 33% raise hein les gars, c'est... Voilà, c'est premier tour, il est mid-life quasiment, c'est... Mon stuff moi je l'aime bien, hein. Je vais pas vous mentir. Le problème c'est contre un Eka Flip en fait il y a vraiment trop de... Bah, le truc c'est qu'ils ont trop de rocks. Et quand ils ont trop de rocks bah... C'est vraiment pas facile. Là en l'occurrence... J'aurais peut-être dû... Je sais ce que je vais faire. C'est juste que là, en fait, j'ai un petit peu fail mon... Voilà, donc super. J'ai fail mon rollback, c'est le seul truc que j'ai fail. Du coup, j'ai pas replacé un crow. Mais bon, je... Voilà, bon, oh là là, mais quel bâtard. Ah, le bâtard. Est-ce qu'il en est bulleux? En plus, il en est bulleux, mais c'est... Voilà, bouge pas. Ne bouge pas, s'il te plaît. Alors moi, a priori, je suis taclé par un... Jamais vu ça. Je sais pas s'il est en état blabla truc, là, blabla. Eh oui, il est en état, bien sûr. Bah, moi, je vais faire le bats. Parce que bon, bah, il a voulu jouer... Odora, donc voilà. En plus, il gagne des PM, bien sûr. Alors, bon, rollback. Ah ouais, mais ah ouais, les gars. Oh putain, la vache, j'ai oublié de vous dire ça. En fait, il y a un truc qui est parfait avec rollback et TP. En fait, vous utilisez tous vos PM avant de TP, puis vous avez un rollback. Du coup, vous revenez directement. Alors, ça, c'est magnifique en fait. Parce que le rollback avant, il était, bah, il était mieux. Le cas ça change rien, je vais revenir mon pote. Je sais pas ce qu'il a fait là, il s'est...
Je comprends pas pourquoi il a regagné autant de points de vie. Ah oui, d'accord, avec les jeux, bah c'est magnifique, ça aussi. Et je peux faire peut-être péter la synchro. Et damn! Oh là là! Oh les gars, vous avez vu ce tour quoi? Oh là là, ce tour fin des temps quand même! 850! Et j'avais à peine up les gars, c'est. Franchement, j'ai adoré ce tour. Bon, du coup, il va nous sortir Chance des Cafip, hein, le truc le plus bidon de Dofus. Et si prochain tour, s'il me tue pas, bah je le tue tout simplement. Ah, je vais essayer de le mettre. Comment mettre en état téléfrag très facilement sans. C'est ça que. C'est la question que je me pose. Bon, j'ai une petite TP. Peut-être un free téléfrag pour moi? Non, même pas. En fait, si, en vrai, là, je... Enfin, si. Enfin, en trop, j'aurais un free téléfrag, mais en utilisant 3 PA. Je sais même pas s'il va me tuer 10 PA, du coup. Non, il me tue pas. Il me kick des PA, le salaud. J'ai fait flou, normalement, non? Je crois. Ah, mais il va pas me tuer. Mais non, allez, va là-bas. Retourne dans ton coin là. De toute façon, il est en x2. Hein. Il est en x2, je le tue. Bon bah, GG à Spurrer. Il veut pas passer son tour, le pauvre. Mais allez, passe son tour. Bah, ah, mais du coup, en fait, il a enlevé le Rambo. Le Rambo. Bon, je vais faire un truc classico. Non, même pas. Je vais pas me faire chier en fait. Allez, damn. Oh, le coup de cac. Boum, en x2, bah oui. Même avec du 40-50%, moi, je m'en fous. En tout cas, les gars, bon, j'espère... Franchement, c'était une petite vidéo, comme ça, au calme. Juste histoire de vous sortir une petite vidéo pour vous dire que, franchement, niveau compétences, Xelor, il a refusé, hein. Tu as refusé, tant pis. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme je le disais, cette vidéo c'était juste pour faire un récapitulatif de ce que j'ai appris en ce qui concerne le Xelor. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je pense que la prochaine vidéo, bah, ça sera évidemment normalement du PVM demain, hein, normalement. Et suivi sans doute peut-être d'une vidéo Cody. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez. Mangez bien, dormez bien, ciao les gars. J'ai fini solo, sans personne à mes côtés, à part quelques vrais soldats. Maintenant je vais tous les boycotter, à part quelques vrais soldats. Laissez-moi profiter.